many places to go. Castles and candy houses, seven blind little mouses, many places to go. Uh oh! Charlie and the chocolate factory, bears eating lots of funny. Here we go, here we go, here we go. Come and read with me, many places to go. So come and grab a seat and read a story time with me. A world made by your imagination. Flying carpets and 100 Dalmatians. No, wait, that's wrong. There's actually 101 Dalmatians. Salut les enfants de Storytime. Moi, je m'appelle Graham. Lisons aujourd'hui un livre en français qui s'appelle À ce moment précis. L'histoire dans laquelle on voit ce qui se passe avec les deux sœurs Anna et Charlotte. Dimanche matin, tout est calme. À la maison, pas un bruit, sauf celui d'une eau qui coule. Sur la terrasse, Anna et Charlotte sont plongées dans les aventures de Zorro. Maman fait son repassage et bavarde au téléphone. « Tout va bien, il fait beau et je vais prendre un bon bain », annonce-t-elle insouciante. Mais le chat, qui a nuit fine, a entendu quelque chose. Peut-être est-on en train de lui remplir son écuelle. Le mieux est d'aller voir. Aux abords de la maison, un individu rôde. Son comportement est louche. L'individu s'introduit dans la cuisine. À ce moment précis, Anna quitte la terrasse pour descendre chercher à boire. Tandis que l'individu visite les placards, le chat observe le merle, qui lui aussi est entré et qui tourne au-dessus de la table où trône un bon kouglof. C'est l'instant de tous les dangers. Anna dévale la dernière marche, le bain de maman commence à déborder, Zorro saute sur son cheval, le chat va bondir sur le merle et le chien arrive, ayant flairé l'individu. À la seconde où Anna pousse la porte de la cuisine, l'individu se réfugie dans la salle de bain. Quant au merle, il s'en tire de justesse. Anna remplit deux verres de limonade et les emporte. L'individu se glisse par la fenêtre de la salle de bain. « Vite, j'ai soif !» s'écrie Charlotte au retour de sa sœur. Dans sa chambre, maman interrompt son coup de téléphone. « J'oublie mon eau qui coule !» Elle raccroche en vitesse et court fermer le robinet mitigeur. Oh, bonne surprise! Quelqu'un s'en est chargé pour elle. Les dégâts sont limités. Maman s'allonge dans la baignoire avec un soupir de soulagement. Mais qui peut bien être cette paire de lunettes qui traîne au pied du tabouret? S'étonne-t-elle soudain. Moi, je le sais, songe le père de famille, occupé dans son atelier à inventer et à dessiner cette histoire. Les lunettes appartiennent à l'individu qui les a perdues en partant. Va-t-il revenir les chercher? Interroge les deux sœurs, curieuses de connaître la suite. Mes filles, je vous le demande. Deux spécialistes Zorro doivent savoir comment finir un livre, non? Et puis d'abord, cet individu louche, qui était ça? Un voleur ou peut-être votre cousin Arthur à la recherche d'un peu de confiture? Ça, c'est la fin. Goodbye! 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 When something's starting out, we'll bye. Often say hello. And when goodbye. We're in the middle of something, we might say that's fun. But when something's almost over and it's winding down, we'll look at each other and we might say goodbye.